Nous avons donc fait le tour de toutes les fédérations qui correspondent aux arrondissements de Pointe-Noire. Donc les 7 arrondissements ont été visités et les 7 fédérations ont été installées. Là où il y avait les amputations, on a dû jouer au complètement. Là où elles n'existaient pas du tout, on a dû simplement mettre des nouvelles structures. L'objectif étant de repartir avec des structures redynamisées pour appuyer, pour apporter justement le soutien technique au bureau de la coordination. Vous savez que la coordination, c'est la structure qui coordonne. Mais les structures opérationnelles sont les fédérations et les sections. Et il n'y a pas de bonne coordination s'il n'y a pas de bonnes fédérations qui travaillent. Ceci donc a été fait. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons eu des rencontres avec les responsables du parti au niveau le plus élevé ici à Pointe-Noire, c'est-à-dire les membres du Conseil national présents à Pointe-Noire. Nous les avons reçus, nous avons eu un échange avec eux tous, peut-être sur les questions que vous partagez, les soucis que vous partagez. Nous avons discuté en camarades pour dissiper un certain nombre de malentendus. Parce que simplement depuis l'élection présidentielle, depuis la fin de l'élection présidentielle, il s'est installé comme une incompréhension entre les positions prises par la direction du parti et quelques responsables du parti. Et il était bon et opportun qu'avec ses camarades, nous ayons un débat des plus francs, des plus ouverts, pour qu'il n'y ait pas ce climat délétère qui ne s'installe pas comme nous l'avons constaté. Au retour, l'opposition, celle dont je suis le président, va donner le détail de son programme. Et je pense qu'au cœur de ce programme, il y a la gouvernance électorale. Il faut qu'on améliore la gouvernance électorale par le biais d'une commission électorale qui soit vraiment indépendante. Et nous allons prendre au mot le président Sassou. Le président Sassou, c'est quand même lui qui a proposé, parmi ceux qui ont proposé au sommet de l'OIA d'Addis Abeba, qui ont proposé au président Kabila le recomptage des voix. Ah, c'est ce qu'il dit aux autres. Ça, c'est frais. Ce qu'il dit aux autres, il faut qu'il le fasse chez lui, demain si ça arrive. Également, ceux qui ont contesté les résultats, bruyamment contesté les résultats, d'une CENI qui n'est pas indépendante, qui n'a pas été impartiale. Bon, mais nous, on va aussi maintenant dire, monsieur le président, ce que vous dites pour la RDC, c'est sans doute vrai. Mais chez vous également, il faut faire comme ça.